Bonjour Diego. Bienvenue à toi dans Initial. Bonjour Olivia. C'est un plaisir de t'accueillir sur notre plateau dans notre série consacrée à l'IA. Je m'appelle Olivia, et je suis très heureuse d'être l'IA qui présente cette série. Alors Diego, dis-nous tout. Quel est ton plus lointain souvenir d'intelligence artificielle ? Ça va loin, hein. Je suis un fan de science-fiction, je me rappelle de Minority Report, au Blade Runner, mais je pense que ma vraie première expérience avec l'IA, ça a commencé à l'école polytechnique, où j'ai appris à utiliser les maths pour résoudre des problèmes. Ça m'a vraiment ouvert les yeux. Il est vrai que les mathématiques jouent un rôle crucial dans le développement de l'IA. Et pour toi, l'IA, c'est plutôt une évolution ou une révolution ? Pour moi, c'est une évolution. C'est une nouvelle technologie maintenant à disposition des business, des directeurs IT par exemple. C'est une technologie qui est très puissante et qui peut nous aider à résoudre plus et mieux. Très bien. Plutôt une évolution qui permet d'offrir de nouvelles possibilités pour les entreprises. Diego, peux-tu nous dire quel impact majeur as-tu observé chez nos clients ? Les premiers résultats sont assez impressionnants sur des sujets comme une meilleure expérience collaborateur pour les entreprises, productivité ou efficacité, ou même des nouvelles sources de revenus. En revanche, il y a un vrai challenge sur l'adoption de ces technologies. Sans une conduite du changement appropriée et des bonnes formations, l'intégration de ces outils peut être, à l'échelle de l'entreprise, un vrai challenge. En effet, l'adoption de ces technologies représente un vrai défi. Et pour finir, est-ce que tu vois le futur de l'IA comme Matrix ou arrête-moi si tu peux ? Je pense qu'on flirte un peu avec Matrix. En revanche, les régulations, surtout en Europe, pourraient nous emmener à un futur un peu plus vertueux. Donc plutôt Matrix, mais en plus optimiste. Eh bien, merci beaucoup Diego pour tes réponses. Bonne journée à toi et à très bientôt dans notre série initiale. Merci à toi Olivia.